Oh, et quel ton, j'espère que vous allez bien ici Auteur, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark Cluster. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va chasser avec la bande de Shadowmen les deux parents, les trois parents, enfin les trois premiers dinos que j'ai eu, je les ai up. Ils sont à la base tranquilles, ils vont se reposer, ils vont rester là-bas toute leur vie normalement. Pareil pour alors pour les vélos Nazor vélo voilà les deux parents enfin j'ai fait pas mal d'enfants je crois que j'en ai même pas 6 donc 6 qui sont en train de traîner dehors qui sont castrés bien sûr qui sont programmés qui sont chacun pour sa peau ils sont pas en meute et il y en a deux qui sont pas mal bon level et tout ça, donc j'ai mis bah du coup c'est un couple, donc si un jour j'ai envie de continuer la repro de ça, bah j'ai le couple qui sont pas castrés. Ensuite j'ai aussi trois œufs là-dedans chez moi qui sont là pour je sais pas pourquoi, peut-être un jour je vais les éclore. Ensuite y a tellement de choses. Vu que ma base elle est assez grande aussi, mais pas trop non plus. Vous savez, il y a plein de dinos dans le jeu et tout ça, donc je m'inquiète pas tant que ça pour la place, mais un peu. Mais par exemple, les Deinonychus, c'est sûr et certain que j'aurai une bande de Deinonychus qui sera en train de se balader dans ma ville, enfin dans mon parc, donc ça c'est sûr et certain. En fait, soit j'aurai pas beaucoup d'FPS, je buggerai un peu, ou soit bah j'aurai des FPS, mais enfin je sais pas. Dans tous les cas, je sais que ça commencera à bugger, hein, parce que bon. Donc prochainement, j'ai un timing à faire. Je sais, ça s'appelle le. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un dino qui, je crois, c'est le Noglin et qui est juste incroyable, qui permet de s'infiltrer dans le cerveau des autres dinos, des joueurs et tout ça. Et ça peut être incroyable. Alors aussi, pourquoi j'ai tout ça? Non, j'ai pas tout ça. Ah si, non, je crois qu'il m'en reste. Ouais, voilà. J'ai énormément de Shadow Main. Vous allez vous dire, mais pourquoi t'en as autant? Ça sert à rien. Je comprends. Et j'ai même pas fait exprès en fait. J'ai AFK, je pensais que j'avais mis pause sur le jeu. Donc quand je vais menu, quand je vais. J'appuie pour aller dans les paramètres et tout ça, bah ça fait une pause. Vu que je suis en solo. Et en fait, j'ai oublié de mettre pause. Et j'ai AFK pendant bah, quelques heures, vu que je suis sorti dehors et tout ça. Et puis bah en fait bah, ça a tourné donc bon tant pis tant mieux tant pis je sais pas quoi dire vu que j'en ai beaucoup trop donc je pense pas les mettre en train de se balader chez moi parce que bah, ça en fait hein, quand même même si du coup ça sera vraiment protégé mais bon je sais pas du tout. Alors, soit je les laisse juste en bas, je mets une laisse super grande, et du coup, ils peuvent se balader juste devant la porte pour protéger. Soit je fais ça, ou soit par exemple, j'en laisse quelques-uns devant pour, bah, pour garder la porte. Tiens, il y en a un en bas. Et aussi, du coup, j'en mets dans mon parc. Donc, je pense plus cette solution. Même si, dans tous les cas, il n'y a pas trop de dinos qui spawnent vers là. Hein. C'est assez calme, hein, dis donc. Donc, je sais pas du tout. Pire, parce que si là, je mets une laisse au milieu, ils pourront aller là, là. Enfin, bref. Non, je pense plus, en fait, je vais les mettre chez moi. Bref. Hop. Donc là aussi, j'avais pas montré, mais on peut être en mode invisible. Enfin, il y a plein de trucs.
Par contre, la téléportation, j'arrive pas trop à. Ça, c'est quoi? Ok. Ah oui, c'est comme ça. Ok, je laisse le. Ok, ça marche. Surtout que, bon, ça se TP pas les dinos par rapport à Conan Exil. Je sais pas si vous connaissez. Quand vous avez des bonhommes en suivi, bah ils se TP. Ok, on a tout le monde. Ouais, ça fait du monde, hein. Et en plus, là, je viens de me. Bah, j'étais revenu. Et je vois, j'avais déjà plus de pouf, hein, logique. Bon, après, bon. J'ai pas faim vu que je viens de manger un coup. Mais waouh. En plus, je crois que je viens de. Du coup, je viens d'avoir aussi un triplé. Comme ça. Ça venait tout juste de sortir et du coup, j'ai eu un triplé. Du coup, j'ai attendu qu'il soit grand. Et du coup, bah là, on va les faire XP, même s'il y en a quelques-uns que bah, du coup, j'ai fait XP juste avant de faire une grande chasse. Donc bah, là, je pense qu'ils sont vraiment prêts pour faire une grande chasse. Allez, c'est parti. C'est parti. On va mettre en neutre. On va faire ça d'abord. Et go! Putain, y en a qui sautent pas. Ça me fait peur, j'ai pas envie d'en perdre. Ok, c'est parti. À l'attaque! Stégosaure. Hop. Allez, go! Putain, ils attaquent pas trop, hein. Attaquez ma cible. Attention. Attention. What the fuck? Oh ça, je savais pas du tout. Mais c'est juste insane. Ça veut dire qu'en gros, là, je fais une pensée. Oh, c'est juste incroyable. Oh. Regardez, je vais faire une pensée. Jusqu'à là-bas. Du coup, tous les dinos qui sont là, boum 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 boum, ça les électrocute. Donc c'est juste incroyable. Oh, c'est insane, j'adore. J'adore vraiment. Bon, après, ils peuvent pas faire ça quand ils sont tout seuls. Ah, ils donnent juste des coups de griffe, hein. C'est comme je pense l'autre dino que j'ai tamé bah, dans la dernière vidéo. Les épines, je pense pas qu'ils fassent ça, je sais pas. Bref, bon, ça prend du temps du coup maintenant à XP. Contre, il a plein de bouffe et tout, c'est super, j'adore. Allez, je les laisse attaquer. Et il y en a, ils font mal hein, quand même. On va prendre beaucoup. On va aller du côté des alphas. Il doit y avoir sûrement un alpha ou pas. Ouais, je pense. Parce que en haut, je pense qu'il y en a peut-être un. Possiblement. Possible.
Mais bon, pour monter là-bas, c'est assez chaud. Oh, dans tous les cas, vers là-bas, y a des règles, il y a tout. Oh putain. Il y en a, ils sont cons. 3, 4, 5, je sais pas. En tout cas, je sais même pas combien j'en ai, alors bon. Il suffit que j'en perde quelques-uns. Dans tous les cas, lui, il fait quoi? Viens là. Putain, il y en a, ils arrivent vraiment à se perdre bêtement. Je crois que j'en ai perdu, hein. Ouais, j'en ai perdu. C'est pas grave. Genre, ouais, je ferai le retour. Ah bah tiens. Allez, alpha, alpha. Allez, go, go, go. S'ils arrivent à survivre, c'est qu'ils sont prêts à protéger ma base. Vas-y, je le laisse, même lui. Même le boss. Ah bah clairement, ils peuvent bah, venir. Hein. Et j'ai pas pris de niveau, je comprends rien à leur truc. Ça je garde pas, ça je garde pas, et ça je garde. Allez, on va se tenter le Strider. Strider. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous m'avez compris. Yeah. Tac. C'est un niveau 76. Ça fait mal, hein. Ça fait clairement mal si on arrive à le faire, lui, par contre. Respect. Ok, on l'a fait. On l'a clairement fait, mais c'est un... C'est abusé. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment à 100-100? Non, ils sont même pas vraiment à 100-100. Oh, putain. J'adore. Donc vraiment, cette meute, elle est incroyable. Oh, il y en a encore un qui est bloqué. Que de ce qui est bloqué. Ok, hop, on peut passer par là. On va voir s'il n'y en a pas d'autres. Puis on va faire déjà la minia et puis après je pense que je vais m'arrêter là. On aura déjà bien chassé. Et on aura prouvé que bah, même bébé et qui sont enfin bébé, ils ont déjà pris quelques niveaux. Hein, j'en ai déjà donné pas mal des niveaux, mais ouais, ils sont incroyables. Ils savent bien se battre, ils savent beaucoup de choses. Et lui, il est putain de stylé. Regardez-moi ça, mais c'est trop stylé. Allez, on va se faire le T-Rex. J'ai pas envie qu'il y ait un T-Rex à côté de chez moi. Qu'il y ait, ouais, bon, bref, le français, c'est pas mon truc. Hop. Ok, bon. Je crois que j'ai de très bonnes meutes. Le Ferox. Oh, le Ferox. Allez, transforme-toi en méchant. Bon, bah. Oh, il était 116. Oh, le Smilo. Enfin bref, bon. Du coup, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche et à hauteur. N'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao ciao!